Planter un arbre fruitier avec succès, les étapes clés à suivre. La mise en terre d'un arbre fruitier est une phase fondamentale pour garantir une récolte généreuse et délicieuse dans votre espace vert. Cet article se propose de vous accompagner pas à pas dans le processus de plantation réussie d'un arbre fruitier. La période la plus propice pour cette opération est incontestablement le mois de novembre, mais elle peut s'étendre jusqu'au mois de mars, à l'exception des moments de gel. Pendant cet intervalle, les arbres entrent en phase de dormance, ce qui contribue significativement à une meilleure acclimatation. Comment préparer le sol avant la plantation de votre arbre fruitier? Examinez la composition du sol. L'étape initiale est de déterminer la composition du sol de votre jardin. Différents arbres fruitiers ont des préférences en termes de type de sol, certains se développent mieux dans un sol calcaire, tandis que d'autres évoluent favorablement dans des terres acides. Sélectionnez un lieu approprié, en fonction de la variété d'arbres fruitiers que vous envisagez de planter est primordial. Assouplir et aérer la terre. Pour encourager une bonne prise racinaire de l'arbre, il est important de rendre le sol plus meublé et aéré. Ceci facilitera la pénétration des racines dans la terre et leur fournira l'oxygène indispensable à leur développement. Améliorer la qualité du sol en y ajoutant du compost ou du fumier. Il est crucial d'apporter des nutriments au sol pour assurer une croissance optimale de l'arbre. Intégrer du compost ou du fumier parfaitement décomposé afin de créer un environnement de sol riche et propice. Déterminer l'intervalle adéquat entre chaque arbre fruitier. Pour les cerisiers, espacement de 6 à 7 mètres. Pour les pommiers, espacement de 5 à 6 mètres. Pour les pruniers, espacement de 4 à 5 mètres. Pour les poiriers, espacement de 4 à 5 mètres. Planter un arbre fruitier, étape par étape. Après avoir préparé le terrain et déterminé le bon espacement, voici comment procéder à la plantation de votre arbre fruitier. Excavez un trou de plantation, approximativement deux fois plus grand que le conteneur ou la motte de l'arbre. Extrayez soigneusement l'arbre de son pot et dénouez les racines si cela s'avère nécessaire. Installez l'arbre dans le trou en vous assurant que le collet, la partie où le tronc rencontre les racines, soit aligné avec le niveau du sol. Comblez le trou avec la terre récupérée lors du creusement, la mélangez pour moitié avec un bon terreau de plantation, en la compactant doucement, pour éliminer les éventuelles poches d'air. Procédez à un arrosage généreux, pour aider à l'ancrage des racines. Afin de garantir la stabilité de l'arbre fruitier, il est conseillé de le renforcer avec un tuteur. Maintenir votre arbre fruitier pour maximiser sa production. Adoptez des stratégies préventives contre les maladies et les nuisibles, en favorisant des remèdes naturels, comme les purins ou le savon noir. En appliquant ces recommandations, vous pourrez planter et cultiver efficacement des arbres fruitiers dans votre jardin. Savourez ensuite les fruits de votre labeur, aussi abondants que délicieux. N'hésitez pas à visiter notre site, bâtirsamaison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.